Hey, salut Internet! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour aujourd'hui apprendre le morceau Electra Star, toujours d'Indochine, sur l'album Paradise. Un titre qui m'a toujours été demandé par Océane, la petite Indochinoise. C'est fait. Et c'est un morceau qui est destiné à Stéphane Sirkis, le frère jumeau décédé de Nicolas. Voilà. Alors si tu es débutant, bienvenue, car on va aller dans le détail du détail. Si tu sais déjà jouer de la guitare, tu risques de trouver le temps long. Alors, peut-être que d'autres partitions ou d'autres vidéos te conviendraient mieux. Voilà. Pour le reste, on va commencer. C'est pas compliqué, hein. Trois accords qui se suivent tout au long de la musique. Donc, on devrait s'en sortir et ça devrait aller si vite. Tu as une guitare et six cordes bien accordées. Et un capodastre. Le capodastre nécessaire sur la première case. Mais à quoi ça sert un capodastre? Un capodastre, c'est un outil qui te permet de modifier la tonalité de ta guitare. Donc plus ton capodastre est proche de la caisse, plus la tonalité monte, devient aiguë, et inversement. Ce qui est pratique, quand tu n'arrives pas à chanter dans les graves, tu mets un petit capodastre sur la case, ici, là ou là, et du coup, ça, tu t'adaptes mieux. Voilà. À savoir aussi qu'étant donné que tu mets le capodastre, la tonalité change, donc les accords que tu joues ne font plus le même son. C'est-à-dire que là, si je fais une position de mi majeur, et ben en fait tu entends Fa majeur. Voilà, donc bien garder ça à l'esprit. On va faire comme s'il n'existait pas le capodastre et je vais dire La mineur, Do majeur, même si ce n'en sont plus. Voilà, c'était pour la petite information culture G. On va commencer. Alors tu as besoin d'un La mineur, d'un Do majeur et d'un Sol majeur. Le La mineur, index, deuxième corde, première case, à partir du capodastre. Deuxième corde, première case. Ton majeur en quatrième corde, deuxième case. Et ton annulaire en troisième corde, deuxième case. Et tu grattes à partir de la cinquième corde. La cinquième corde étant un La, c'est ta tonique, ta basse. Voilà, pas les six, hein, juste les cinq. Alors ça c'est un La mineur. Maintenant le Do majeur. En gros, tu gardes ta position de La mineur et tu déplaces ton annulaire que tu mets en cinquième corde, troisième case. Voilà, ça te fait un Do majeur. Mais pour revenir au détail, index, deuxième corde, première case, majeur, quatrième corde, deuxième case, et annulaire, cinquième corde, troisième case. Et tu grattes à partir de la cinquième corde. Car là où il y a ton annulaire, c'est un Do. Donc tu joues un Do majeur. Tonique basse. Et ensuite, le Sol majeur. Index, cinquième corde, deuxième case. Majeur, sixième corde, troisième case. Et l'annulaire, en première corde, troisième case. Voilà. Et là, tu as un Sol majeur. Tu grattes les six cordes parce que là où il y a ton majeur et ton annulaire, ce sont des sols. Donc tu fais un sol majeur, donc tu fais ton sol. Et là, tu as les trois accords. Alors, comment tu les joues? Pour le premier couplet, avec le petit instrumental qu'il y a juste avant le refrain, couplet instrumental, tu vas faire un La mineur et un Sol majeur. Voilà. La mineur, quatre temps. Sol majeur, 4 temps. Et tu fais tourner ces deux accords tout au long. Donc tu tapes du pied. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. Voilà. Jusqu'au oh, oh, oh. Et ça continue. Là, t'as le refrain. Je voudrais te revoir, briller d'Electra Star, tout ça. C'est un La mineur, 4 temps. Do majeur, 4 temps, Sol majeur, 8 temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4. Et tu joues ça en permanence. Alors, voilà, donc là tu as ton refrain. Là tu as encore une petite instrumentale. Tu rejoues cette boucle, La mineur, Do majeur, Sol majeur, une fois. Avant de reprendre le second couplet. Voilà, tu joues encore la petite boucle après avoir chanté.
La, second couplet, tu reviens à ton alternance de La mineur, Sol majeur. Quatre temps. Tac, tac, tac. Oui, ça fait mal, oui, ça fait mal, oui, ça fait mal. Tu joues pendant ce temps-là. À nouveau le refrain. Donc tu reprends ton refrain, La mineur, quatre temps, Do majeur, quatre temps, Sol majeur, huit temps. À la fin de ce refrain, tu as deux boucles d'instrumental qui continuent sans chanter. Donc tu continues ton refrain, en fait. Tu continues deux fois, encore deux boucles ton refrain. Là, il y a deux boucles où tu n'entends plus rien. Tu as une montée en pression. À la fin de cette montée en pression, tu entends stay. Et tu continues toujours ton La mineur, Do, Sol. Encore deux boucles. Et à la fin de ces deux boucles, tu as le dernier refrain. Voilà. Donc, voilà, c'était bon pour les petites boucles. C'est pas tellement important quand t'es à l'acoustique. Mais voilà, au moins tu vois vraiment de A à Z comment est structuré le truc. T'es pas obligé de faire toutes les boucles instrumentales, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà, bah j'ai fini. Du coup, tu vois, c'était pas très compliqué. Je te propose une interprétation que je vais faire différente, c'est-à-dire pas de médiator, je vais y aller au doigt. Je vais changer un peu les notes de chant. Alors j'espère que je vais froisser personne. Mais c'est que quand tu joues ce morceau comme ça, au bout d'un moment, ça tourne en rond. Donc si tu peux te l'interpréter un peu, je pense pas que ce sera un sacrilège ou je ne sais quoi. Voilà. Allez, on essaye. Interprétation. Je reste enfermé chez moi et je ne sors pas. J'attends comme la fin du monde et je ne sais pas. Combien de temps ça prendra, mais je n'oublie pas. Parfois la nuit on s'ennuie et ça ne plaît pas. Non, ça ne vous plaît pas. Oh oh oh. 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 Je voudrais te revoir, briller d'électrastar. J'ai envie de te voir et de cracher sur la gloire. S'est arrêté, tout a continué, et ça fait mal, oui ça fait mal, oui ça fait mal, oui ça fait mal, oui ça fait mal, je voudrais te revoir. J'ai envie de te voir et cracher sur la gloire. Tu vis ce que je vis. Tu vis ce que je vis. Stay.
Moi, j'espère que tu auras compris, que ça aurait été clair, que tu auras bon apprécié l'interprétation. Si tu as des questions, n'importe quoi, n'hésite pas à me les poser. Oui, ouais, je pensais à autre chose. Bon, voilà, donc n'hésite pas. Et d'ici la prochaine fois, sois heureux, sois amoureuse. Encore merci pour tous les commentaires, toutes les demandes, et tous les pouces verts et tous les pouces rouges. Et voilà. Donc j'espère qu'on se dit à bientôt. Allez, ciao!